Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager ma matinée super chargée parce que j'ai un vol à prendre cet après-midi. Enfin, le jour où j'ai filmé, c'était jeudi passé. Donc voilà, j'avais un vol à prendre l'après-midi. Et du coup, j'ai décidé de vous partager ma matinée juste avant mon voyage. Donc voilà, je commence ma journée comme d'habitude. Vous me connaissez, je commence par lire la Bible. Je lis mon livre « Un jour avec Jésus ». Et une fois que j'ai terminé, je passe un petit moment dans la prière. Donc je fais ma prière matinale et ensuite j'attaque ma journée. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Pour moi, prier le matin avant de débuter ma journée, c'est un peu comme les carburants en fait. Ça me permet de bien débuter, de bien commencer ma journée. Et c'est vrai que je me rends compte, les jours où je suis un peu chargée, un peu stressée, enfin un peu pressée, lorsque je ne prie pas le matin, j'ai l'impression de ne pas bien faire les choses. Et franchement, je vous invite en tout cas, je sais que vous êtes nombreuses ici, beaucoup de femmes qui me suivent, commencez votre journée dans la prière. Il n'y a rien de mieux. Ça vous permet de consacrer votre journée entre les mains de Dieu et de vous fortifier. Et vous verrez que vous allez vraiment être efficace dans toutes les tâches que vous allez pouvoir faire durant la journée. Donc voilà, moi là, j'ai fini de prier. Et maintenant, je vais tout simplement commencer mes tâches habituelles. Donc je vais faire mon lit et ainsi de suite. Alors, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Vous voyez comment je positionne mon oreiller. Normalement, ça ne doit pas se faire comme ça. Normalement, la partie qui est ouverte doit être vers le bas. Ça doit vraiment être posé sur le lit. Mais moi, je le fais comme ça tout simplement parce que mes oreillers sont vraiment très, très, très grandes par rapport à ma tête de lit. Et lorsque je les mets normalement, ça dépasse. Et esthétiquement parlant, j'aime pas. Je trouve ça fait pas très joli. Du coup, voilà, vous voyez comment je le mets. Du coup, je le mets des côtés. Mais normalement, dans l'art des choses, la partie qui est ouverte doit être vers le lit. Je voulais pas, je sais que j'ai fait ça plus d'une fois. Je fais ça tout le temps dans mes vidéos. Alors maintenant, enfin, aujourd'hui, en le faisant, la chose m'est venue en tête, je me suis dit, j'aimerais pas vous induire en erreur. Il faudrait pas que lorsque vous me regardez, vous vous dites, ah, c'est comme ça que ça se fait, alors que pas du tout. Moi, franchement, je l'ai fait juste pour l'esthétique. Mais si vraiment vous voulez bien faire votre lit et si vraiment vous voulez respecter les codes, la partie qui est ouverte doit être vers le bas et pas autrement. Donc, voilà pour la petite explication. Voilà, je voulais surtout pas vous enduire en horaire. Je sais que je le fais plus d'une fois. Alors aujourd'hui, ça m'est venu. Je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des têtes de lit assez grandes, n'hésitez surtout pas à mettre la partie qui est ouverte vers le bas parce que c'est comme ça que ça se fait normalement. Donc là, j'ai fini de faire ma chambre. Je vais tout de suite commencer celle de garçon parce que ma fille, elle dort encore. Donc, je ne veux pas la déranger. Donc, je ferai sa chambre bien plus tard. De toute façon,
il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à faire dans sa chambre. Donc voilà, je commence par enlever les pyjamas des garçons. À chaque fois lorsqu'il s'habille le matin, il me laisse toujours les pyjamas traîner par-ci par-là. Alors là, je suis en train d'enlever les pyjamas et ensuite je les mettrai dans leur bac. Donc voilà, là maintenant j'arrive gentiment à la fin. Donc je vais finir de faire les lits des garçons et ensuite je vais poursuivre. Je suis stressée. Je n'ai pas l'air, lorsque je me suis regardée dans la vidéo, j'avais pas l'air d'être stressée. Mais en fait, en vrai, j'étais vraiment stressée parce que j'avais un vol à prendre cet après-midi et il fallait vraiment que je fasse les choses assez rapidement, quoi. Alors là, je vais rapidement faire une petite toilette. Et après, ben, je reviendrai pour faire ma douche. Donc voilà, là maintenant j'arrive dans la cuisine, il est 10 h et quelques, donc il me faut arriver à midi, au plus tard midi et demi, je finis tout. Et ce que je vais faire, je vais déjà anticiper, donc je vais commencer à préparer les haricots. Et pendant que les haricots seront en train de cuire, ben, moi je vais aller prendre ma douche, comme ça au moins je ne perds pas de temps. Donc voilà, là je vais laver les haricots, ensuite je vais le mettre au feu. Et hier soir, j'avais aussi assaisonné mon poulet, les cuisses de poulet, que j'ai laissé au frigo. C'était aussi pour anticiper. Et comme ça, dès que je mets les haricots à cuire au feu, comme ça je vais aussi mettre le poulet au four. Pendant que tout ça sera en train de cuire, comme ça moi je vais prendre ma douche pour ne pas perdre du temps. Donc voilà. Et lorsque je fais bouillir mes haricots, dans un premier temps, je mets toujours un ou deux oignons. Et ensuite, je mets un peu de l'huile des palmes et un peu de sel. Et une fois que ça serait cuit, ben là, je ferai la sauce tomate et je rajouterai dedans. Alors maintenant, je sors le poulet dans le frigo, le poulet que j'avais assaisonné la veille. Comme ça, je vais le mettre dans la poêle et après, je le mettrai au four. Et avant d'utiliser mon four pour la plupart des aliments, je mets toujours un peu de l'eau dans le plateau là, dans le plateau inférieur. Vous me voyez faire. Donc voilà, je mets toujours un peu de l'eau pour éviter en fait que le four fume
et aussi pour une bonne cuisson tout simplement. Alors maintenant que le poulet est au four et que les haricots sont en train de cuire, bah, je vais juste nettoyer rapidement la cuisine et ensuite je vais aller prendre ma douche. Voilà, là je vais prendre ma douche. Et voilà, entre-temps, ma fille était réveillée, donc je me suis occupée d'elle, je lui ai fait sa petite toilette, je lui ai donné son biberon, hors caméra bien sûr, pour gagner du temps. Donc voilà, j'ai fait ça hors caméra parce que je cours vraiment derrière les temps. Et là, je suis juste en train de donner un coup de chiffon sur la table. Je vais essayer de donner un coup de chiffon par-ci par-là, histoire de garder le salon un peu propre. Alors là, il est presque 11h20. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais rien pris depuis le matin, tellement que j'étais stressée. Et du coup, là, je vais quand même prendre une tasse de thé pour histoire d'avoir quelque chose sous la dent et puis ouais, me manger quoi, parce que je pense qu'à finir ce que j'ai à faire et puis aller prendre mon vol. Et vu que je dois partir de la maison au plus tard à 13h30, ça me stresse. Plus l'heure avance, plus je suis stressée. Mais franchement, en regardant la vidéo, j'ai vraiment pas l'air. On dirait pas, mais ça se voit pas du tout. Mais franchement, au fond de moi, c'était waouh! Donc voilà, là je vais prendre mon thé, mes haricots continuent à bouillir, le poulet est déjà, c'est déjà cuit, donc j'ai fermé le four et là du coup je vais prendre mon thé tout en travaillant parce que ben, comme je vais partir jeudi, vendredi, enfin je pars 3 jours, donc je reviens dimanche et du coup ben, la livraison doit suivre. Et ce que je vais faire en fait, je vais
Je vais checker toutes mes commandes, enfin toutes les commandes que j'ai reçues. Comme vous êtes sans ignorer, ben j'ai ma boutique maintenant, ma boutique de décoration NDL Intérieur Design. Et j'ai aussi un site sur lequel j'offre pas mal de services. Et du coup, ben chaque jour, j'ai au moins 2 à 3 heures à bosser par rapport à tout cela, par rapport aux demandes que je reçois, par rapport aux services que je propose et par rapport aux commandes. Et du coup, ben là, je suis en train de bien planifier, surtout par rapport aux commandes, pour que lorsque je ne serai pas là, mon mari puisse reprendre la main, puisse gérer les commandes et faire les livraisons. Et la grâce que j'ai, mon mari, il est aussi dans la logistique. C'est ce qui est vraiment une grâce pour moi. Et il est vraiment d'une aide très, très bénéfique pour moi. Donc, du coup, je suis en train de bien planifier, de lui faire un résumé. Et je lui envoie par mail pour qu'il puisse gérer après moi. Et donc voilà. Donc voilà, là j'ai tout fait, j'ai tout préparé, je lui ai tout envoyé par mail, mais je vais quand même l'appeler pour lui faire un petit briefing. Je vais l'appeler au téléphone, comme ça je vais lui expliquer 2, 3 trucs. Et bien sûr, il y a des choses que moi je peux gérer à distance. De toute façon, je pars pour le boulot aussi. Donc il y a certaines choses que je vais gérer à distance et tout ce qui est commande, lui, il va devoir s'en occuper pendant mon absence. Du coup, là, je vais rapidement rincer ma tasse que j'ai utilisée et rincer aussi le biberon de ma fille. Après, j'attaque vraiment pour la suite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Alors, ça y est, là, maintenant, je commence à faire la sauce pour mes haricots. C'est la dernière tâche qui me reste à la cuisine. Je vais essayer de faire vraiment rapide. J'avais déjà coupé les oignons et le persil. Donc voilà, je vais commencer à le frire et ensuite je mettrai la tomate et tout ça. Vraiment, je vais essayer de faire rapide comme ça. Au moins, je vais aller préparer ma valise. Ça serait la dernière chose. Et ensuite, direction aéroport. Alors, dans mes haricots, moi, je mets du poisson fumé et je mets aussi de lardon. Et oui, à droite, vous avez les poissons fumés, à gauche, c'est les lardons. Je mets de lardon parce que ça rajoute vraiment un goût de plus, ça relève le goût, c'est très bon. Donc voilà, donc là, à côté, je suis en train de faire la sauce et je sors aussi l'oignon. Les 2 oignons que j'avais mis tout au début. Donc, je vais aussi l'écraser dans la poêle avec les autres oignons. Et ensuite, je rajouterai la tomate.
Et je crois que j'ai pas pu capturer ça, mais après dans la sauce, j'avais mis le muscade, j'ai mis également l'ail et j'avais mis l'aromate à la fin. Donc voilà, là je suis en train de bien mélanger mes lardons et ensuite je rajoute le poisson fumé. C'est trop bon les mac des avec les lardons et le poisson fumé. C'est trop, trop, trop bon. Donc voilà, là vraiment c'est le turbo. J'essaie de faire le plus vite possible. Comme ça après, je passe à autre chose. Donc voilà, une fois que les oignons et les ciboulettes ont bien cuit, maintenant je rajoute juste la purée de tomates et avec des tomates concentrées que j'avais déjà mélangées avant. Donc je mélange bien avec les oignons et par après je rajouterai de la muscade, de l'ail et voilà, je crois que j'avais pas pu le capturer. Donc voilà, et ensuite je le ferai revenir dans mes haricots. Donc là, vous voyez, c'est vraiment presque cuit. Et ensuite, je le fais revenir dans les haricots et je les laisserai cuire pendant 5 minutes pendant que moi, je vais vite faire ma valise parce que bah, j'aurai pas grand-chose dans ma valise. Donc voilà, là maintenant, je fais revenir la sauce dans mes haricots. Et ensuite, je file vite finir ma petite valise. Donc voilà, là maintenant j'essaie de bien mélanger la sauce avec les haricots pour que ça se mélange bien. Et je mettrai de l'aromate à la fin de la cuisson parce que l'aromate a tendance à brûler les aliments. Donc surtout lorsqu'il s'agit des haricots comme ça c'est vite, c'est tellement vite, c'est facile à brûler. Donc je rajouterai de l'aromate à la fin de la cuisson. Donc là vraiment j'ai laissé à feu doux les temps que tout ça puisse bien cuire et je file vite finir ma valise parce que l'heure avance, je dois absolument partir. Donc, me voici dans ma chambre. Je vais faire ma valise. Donc, il n'y a pas grand-chose à amener puisque je pars que 3 jours. Et je vais juste mettre des choses dont j'aurai vraiment besoin là-bas. Ma trousse de maquillage, ma trousse de toilette, ma brosse à dents, enfin, mon dentifrice, bien évidemment. Et je mettrai également 2, 3 tenues et ça serait tout. D'autant plus que c'est un voyage pour le travail, quoi. C'est vraiment pas un voyage de tourisme ou quoi que ce soit. Et j'ai préféré taire le pays dans lequel je me suis rendue. Mais voilà, c'est vraiment pour le travail, pour le business. Et voilà, donc là, je suis en train de finir ma valise. Et après, il faut vraiment que je file rapide. Et il y a mon mari qui va rentrer là pour garder la petite et ensuite il ira chercher les grands à l'école. Donc voilà, là maintenant c'est fini. Je vais juste checker ma casserole pour la sortir du feu. Alors la nourriture, j'ai fait pour mon mari et les enfants. Moi j'aime bien lorsque je pars, je leur fais à manger. D'habitude j'en fais beaucoup, mais là vu que j'avais vraiment pas beaucoup de temps, j'ai juste fait un plat. Je sais que bon, les madés sont comme ça et le riz et les poulets, ça va leur couvrir peut-être 2 jours et ensuite mon mari fera peut-être de pâtes par la suite. Donc voilà, là maintenant c'est fini. Je sors ma casserole du feu et je file. Je suis déjà dans l'avion, la journée a été rude, mais Dieu merci, j'ai pu tout faire.
Donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!